Welcome back to the channel. How are you doing? I hope you are doing well. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Mbote na bino nyonso bandeko na ngai, boya malamu na channel na ngai Ketia TV. Donc j'espère que vous allez bien, bino nyonso boza malamu, makambo nyonso ezoleka malamu na grâce à Nzambe. Boya malamu. Welcome everyone today. Donc aujourd'hui on va faire du poulet rôti spécial. So we're making special roast chicken, okay? So I wanted to share with you because it's the festival season, and if you're looking for ideas how to make your turkey, how to make your giant chicken or small chicken, whatever it is, so I've got you covered. So make sure you like, subscribe and share the video as well. Don't forget to turn on your notification bell, and thank you so much. Alors la famille, on va passer à la préparation. Merci d'être venu sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez, activez la cloche de notification. Et merci beaucoup. Je vous aime tous. I love you guys so much. Sans plus tarder, on va passer à notre préparation. Donc, je vais tout vous montrer. Je vais vraiment tout vous montrer. Comme ça, vous allez essayer à la maison. Vous n'allez pas être déçus. Essayez, make sure you try at home, guys. If you need anything at all, make sure you leave me a comment down below. I will respond. So make sure you leave me a comment if you have any question. Don't hesitate. Make sure you leave me a comment down below. So yeah, let's go on with the cooking. I already clean it with vinegar and water and some lemon. This is the chicken. I open in the middle. I dump it in vinegar and lemon water for a few minutes, then I rinse with the cold water. Pour les épices, j'ai le chicken cube, donc cube de poulet. Donc j'ai déjà mis deux, donc pour mon poulet je vais mettre deux cubes. J'ai déjà mis deux comme vous voyez dans mon bol. Et donc je vais mettre un peu de ça aussi. Je vais mettre muscade, nutmeg. Je vais mettre soy sauce. Et puis on va mettre l'huile d'olive aussi dedans et du poivre and also black pepper. So this is to season our chicken. Donc ça c'est pour saisonner notre poulet. Donc maintenant pour faire notre paste, I made it all because I'm going to marinate something else. You don't have to make this much. Donc voilà. So as you can see, this is my main ingredient. Make sure your hands are clean. Mine are clean. So I've got onions. I've got green peppers, I've got yellow peppers, I've got spring onions, celery, ginger, garlic, and also coriander. So this is what we're going to put as well in our chicken. Donc premièrement, ce que je vais faire avec ça, je vais mettre l'huile dans notre cube, dans le cube. So I'm putting olive oil in the cube. You can use a spoon or you can do it with your hands. Most of the time, I prefer to use my hands. Donc, quand j'utilise mes mains, je trouve que ça va un peu plus vite. Mais faites comme vous vous sentez à l'aise. Look at that. So, this is what I want. Donc, là, on va ajouter de muscade. So, the quantity depends on how big your food is. Muscade, je mélange. Je vais ajouter le soy sauce, 2 teaspoons. This is just to add flavor. Voilà. Now I'm going to add my all-purpose seasoning. Let's say 2 teaspoons if you have a big chicken. Yeah. Donc voilà. Du poivre. You can use white black pepper is also good. Or black pepper. Voilà. Donc on mélange. Donc si vous voulez aussi que votre poulet soit rouge aussi, vous pouvez utiliser les paprika. C'est comme vous voulez. Moi aussi je vais mettre paprika, like 2 teaspoons.
So we have a paste for our chicken. So this is our paste. Everything I've added are here. Tout ce que j'ai ajouté, c'est ici. Donc, soy sauce, cube de poulet, paprika, all-purpose seasoning et muscade. Et un peu du poivre et puis l'huile aussi. D'accord? Donc là, maintenant, on va prendre un peu de green paste. Prendre ça et puis mettre dans notre poulet. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Et puis je vais caresser le poulet avec mes mains. So I'm going to give the chicken a good massage. You can use this paste on any meat, fish as well. So if you're cooking fish, it's really good to marinate your fish as well. And this also, you can just put the fish cube instead of the chicken cube if you're marinating your fish. Donc voilà, là maintenant je vais mettre mes épices aussi et puis je vais caresser ça avec mes mains, masser, masser. So I'm adding my spices and then I'm gonna give it a good massage with my hand. Feel free to wear gloves if you don't like touching stuff. There we go. Donc là maintenant on va mariner, on va caresser. Je vais rajouter un peu de rosemary. I'm going to let my chicken to marinate overnight. You can leave it for like an hour and then put it in the oven or do it on top of a barbecue or you know, whatever you want to do. So make sure the spices and the stuff is going inside. Caresser, caresser. Vous pouvez aussi faire des lignes hein, si vous voulez pour que les épices entrent à l'intérieur. Mais comme moi je vais laisser ça toute la nuit, j'ai pas vraiment besoin de faire ça parce que ça va bien entrer déjà. Donc je mets juste mes épices et voilà, et je vais laisser ça comme ça. So now I have my rosemary, so I'm gonna put one inside just to give that nice flavor. Put one inside, leave it in there. This one I'm going to do that, then I'm going to put my leaves inside my chicken, like everywhere. So it's kind of rosemary chicken. Feel free to squeeze a piece of lemon as well. Voilà, vous pouvez aussi mettre du citron. Ça donne un bon goût, surtout si vous faites ça sur le barbecue. Hey, c'est like, it's so tasty. Now I'm going to give it a second massage just to spread the lemon juice everywhere. So this is going to taste so good. Be careful with your spices. Don't put too much, especially if you're leaving it overnight. You don't want it to be too salty. Donc voilà, faites attention avec vos épices. Ne mettez pas trop, surtout si vous allez laisser le poulet toute la nuit mariner. Donc vous ne voulez pas que ça soit trop salé. Donc voilà, c'est bon. On va laisser ça comme ça. On va couvrir, mettre ça au frais. N'hésitez pas à essayer ça à la maison. Vous n'allez pas être déçus. Je vais tourner mon poulet, je veux que la partie avec le ventre soit de l'autre côté. So I'm going to turn it upside down because I want the chicken breast to be on the other side. Because the chicken breast has a lot of meat, we want the chicken breast to be well seasoned as well. So there we go. Donc voilà notre poulet, j'ai laissé ça au frais. Mariné toute la nuit. Donc voilà, on va mettre ça au four. J'ai préchauffé mon four déjà. Donc là, on va encore caresser ça un tout petit peu avant de mettre ça au four. Comme vous voyez, j'espère que c'est bien mariné là. Donc je vous dirai quoi quand je vais tester ça plus tard.
Donc je tourne ça encore juste pour caresser ça un peu. Donc on va mettre ça au four. Vous pouvez le mettre ça sur le barbecue. Ça va être encore très très bon aussi. Donc voilà. Et pour mettre ça au four, je vais mettre ça sur mon oven tray, le plateau de four. J'ai mis l'aluminium juste parce qu'après, au cas où la sauce qui va tomber crame, j'ai pas besoin de frotter pour nettoyer pendant 2 heures ou laisser dans l'eau pendant 2 heures. Donc j'ai mis ça. Quand j'ai fini de préparer, j'enlève et je nettoie les restes facilement. Donc voilà, so we're putting our chicken. Donc on va mettre ça comme ça. On commence avec cette partie parce que comme on a le ventre, chicken breast, ça prend un peu du temps pour préparer. Donc je commence par l'intérieur. J'ajoute mes épices. Comme ça, on gaspille rien. Ça va cuire pendant au moins plus d'une heure, mais je commence d'abord comme ça. Je vais checker ça d'ici 30 minutes. Donc on va mettre au four. Là, je mets un tout petit peu d'huile. So I'm putting a bit of oil before I put it in the oven. Donc on va mettre ça au four. Voilà. Et on revient dans 15 minutes pour vérifier. Donc notre poulet, on va manger ça avec les haricots. Donc si vous voulez voir, là je vais faire la sauce. Si vous voulez voir ça, je viens juste de bouillir et tout. On va faire la sauce, la recette de madesu. N'hésitez pas de regarder dans mes playlists. J'ai vraiment fait les madesu, vous allez bien aimer. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment faire les madesu parce que c'est déjà fait. Donc allez-y voir la vidéo si vous voulez aussi manger avec les madesu. Là, on va tourner notre poulet. Je viens de sortir. Oh là là. Voilà, on va préparer maintenant de l'autre côté. Voilà. On va remettre ça au four. Donc voilà, ça a l'air très bon déjà. Et je vais mettre encore un tout petit peu de sauce dessus. Notre sauce. Donc voilà la famille, je viens de sortir le poulet. Et bota la ka beauté, regardez-moi la beauté là vraiment. Regardez-moi ça. Ça a bien cuit. Vraiment, ça a fait vraiment plus d'une heure au four. Donc regardez-moi cette beauté. Donc je vais servir les enfants, je vais me servir aussi. Je vais vous montrer mon plat. Mais vraiment vous-même. Regardez-moi ça. Et regardez-moi la cuisse là-dedans. Ça a l'air très bon. Guys, look at that, guys. I hope you are seeing what I'm seeing. Les enfants vont manger ça avec du riz. Moi, je vais manger avec la chikwang. You can eat it with anything you like. You can eat it with plantain as well. Vous pouvez manger avec plantain, des frites. Vous pouvez manger avec la chikwang, avec une sauce à côté. Vous pouvez manger avec du riz. Donc, avec tout ce que vous voulez, voilà ma famille. Donc, je vous aime, c'est pourquoi je vous ramène toujours des bonnes choses ici. Voilà la famille, on a fini de préparer, on s'est servi. Moi, je mange mon poulet rôti spécial avec des haricots, un peu de piment et la chikwang. Mes enfants, ils mangent ça avec du riz. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Regardez vous-même, on va goûter. Et... The cassava. I like eating with my hand, but I'm just gonna give you a taste of my chikwang, a bit of chili. Alright, let me try this first. Mm. Oh Lord. On va couper un peu. Non mais ça vient encore moi soy. Et regardez-moi les poulets là. Enjambe. Mm. Mmh. Oh God. C'est bien saisonné, c'est bien mariné, c'est bien tendre, ça a bien cuit, j'adore. Vraiment, c'est trop bon. Mmh. Mmh. Donc, comme je vous. Excusez-moi,
Comme je vous ai dit, vous pouvez manger votre poulet rôti avec tout, la chikwang, accompagné avec les pondou, les haricots, le fungwa, tout ce que vous voulez. Avec des frites, c'est comme vous voulez. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, aimez. Merci beaucoup. So I'll see you in my next one. Thank you guys for watching. This is my dinner. I hope you enjoyed today's video. Be sure to like, subscribe and share as well. I'll see you in my next one. Bye. Oh là là. On est au kito lointain. Tchamwa pili pili. Eh yes, oui. Pipi aux os soit ma été. Oh là là. C'est bon. Oh là là.